Bonjour les professeurs, bienvenue sur Nyan Sorbonne. Nous sommes de retour pour notre tuto extraordinaire et nous allons entendre parler des choses hors du commun, des témoignages vraiment terribles. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Dites-moi les amis, croyez-vous aux superstitions? Les choses que les gens racontent. Souvent, on nous dit, par exemple, il ne faut pas utiliser une aiguille pour coudre un vêtement la nuit. Ou bien, il ne faut pas siffler la nuit. Genre comme ça. Faut pas faire cela la nuit, sinon vous risquez d'appeler le mauvais esprit. Ou bien, vous dites que dans certains villages, à une certaine heure, il ne faut pas sortir, sinon vous risquez de rencontrer des créatures bizarres. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va se rendre dans son village. Arrivé là-bas, il va découvrir quelque chose de ce genre. On nous dit que dans son village, il est interdit de manger les poissons qui sont issus d'une étendue d'eau qui est quelque part là-bas. Pourquoi? On nous dit que les poissons à l'intérieur seraient des poissons pour des poissons mystiques. Du coup, personne ne va pêcher là-bas. Parce qu'ils se disent que s'ils pêchent et qu'ils mangent de ces poissons à l'intérieur, ils vont mourir comme d'autres sont morts déjà. Ça veut dire que toutes les personnes qui essaient de défier cet ordre, qui sont même allées manger les poissons là-bas, apparemment ces gens seraient morts. Du coup, tout le monde a peur de manger ces poissons-là. Le poisson mystique des sorciers. Et ce jeune homme, un jour il est arrivé. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger le poisson d'ici? Non, ce n'est pas possible. Il faut que lui fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Voici comment il s'est levé et il est allé manger le poisson des sorciers. Le poisson qui se trouvait dans cette eau, les amis. Mais dès qu'il a mangé ce poisson, le lendemain, quand il s'est réveillé, il était devenu autre chose. Il était méconnaissable. Est-ce qu'il s'était transformé en poisson ou en gros poisson? C'est ce que nous allons découvrir là maintenant, suivant cette histoire extrêmement mystique. C'est parti. Au village, il y avait une fleuve où vraiment les villageois ont interdit de manger le poisson du jour au lendemain. Donc, elle avait un cousin qui était à Dalwa à l'époque coloniale, qui est venu au village. Bon, comme ils ont dit, on mange pas. Quand tu manges, tu meurs. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Donc lui dit, mais c'est faux. Lui dit, c'est faux. Que à l'époque, les parents, les choses, les parents mangeaient ça. Et pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Donc lui dit, c'est faux. Lui va vérifier si c'est ça. Et voilà, il allait au fleuve là-bas et puis il a enlevé l'un des poissons. Bon, je ne sais pas, là, si c'est fleuve ou c'est marigot. Bon, on va dire marigot, hein. Donc il allait, il a enlevé, il a pêché, il a enlevé le poisson. Après, mon poisson est beaucoup dedans, mais il n'a même pas souffert pour avoir. Mais il a pris un gros, et puis il est venu. Il est venu, il a préparé. Il dit, moi je vais manger, ça fait rien. C'est faux. Moi je vais manger. Et puis là, il a pris le poisson, il a préparé tout, il a tout fait. Et puis il allait, il dit, je vais manger. Moi, les gens sont partis au champ. Donc, dès qu'il a fini de préparer, il allait déposer sous chose, le canapé. Et il dit, il va manger. Et puis, après, maintenant, il est venu le dire le soir. Il dit, j'ai mangé. Il a mangé le poisson. Regardez-moi, il n'y a rien. Rien ne m'est arrivé. Mais voici, il n'y a rien. Rien ne m'est arrivé. Donc, c'est faux. On mange le poisson. C'est faux. Et ceux qui sont et puis il dit ceux qui sont morts là, c'est
c'est qu'il devait mourir, c'est tout. Sinon, le poisson dans le même moment, il sans problème. Donc, les gens, tu viens dire, non, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. On mange pas. Donc, lui, il a dit ça. Oh, pourtant, il n'a pas mangé le poisson. Il a préparé bien le poisson. Il allait déposer dans sa maison sans manger. Mais il est venu les informer que lui, il a mangé. Donc, les gens disent, hé, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Hé, le gars, il a fait ça là. Tout le monde a vu. Tout le monde dit, il a mangé le poisson. Il a lavé mamie, tout l'a préparé dedans là. Il allait déposer là-bas. Donc, quand il est parti se coucher le lendemain là, il dit, il s'est levé, son cou enflé comme ça. Son cou est tellement enflé. La tête, le cou, tout est devenu gros un coup. Et il se tord de douleur. Il se tord de douleur jusqu'à lui-même pleure. C'est là. Sa maman va lui dire que, mais on t'a parlé hier, on t'a dit ce poisson-là. Personne ne mange ça dans ce village. Quand tu manges, tu meurs. Voilà, tu allais te créer problème. Et là, il est rentré dans la maison. Il a pris le poisson. Il est venu le montrer. Il dit, regardez, votre poisson-là, je n'ai pas mangé. Parce que ça. Donc, ramenez ma tête et mon cou à sa place. Il dit ça avec douleur même. Il dit, je n'ai pas mangé. Il a renversé le poisson dans du gras pour montrer aux gens que lui n'a pas mangé. Aïe! Ma grand-mère dit, moi je vais aller mourir. Et tellement, ils l'ont fatigué. Et moi je vais qu'il allait mourir. Il dit, c'est devenu comme de la magie au fait. C'est devenu comme de la magie, selon ma grand-mère. C'est devenu comme de la magie. Dès qu'il a montré le poisson, le lendemain, là, il s'est réveillé là. Il dit, toutes les parties de son corps sont devenues normales. À la suite de ça, même là, le cousin, là, il n'est plus resté au village. Il dit, je me retourne d'où je viens. Et quand il est parti là, il a fondé sa famille là-bas, en même temps, il n'a plus fait retour en arrière. Et puis il les a dit au village là-bas, il dit, c'est mensonge, c'est sorcellerie que les gens font ici. Il dit que le poisson, on ne mange pas, on mange. Et là, les gens du village, les autres ont compris. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à ce cousin, les gens mangent poisson du fleuve, on n'a même plus de poisson dedans. On avait Maintenant, les gens mangent le poisson là. Le poisson que j'avais dit que c'était un poisson de sorcier. Alors que la réalité, c'est les gens qui ont fait ça pour faire souffrir le peuple. Mais c'est un truc hors du commun, l'ami. Est-ce que vous avez entendu ça? Quelle histoire! Waouh! Vous voyez comment il y a la méchanceté dans l'homme? Est-ce que vous voyez comment il y a la méchanceté dans l'homme? Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Bien. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Un témoignage assez compliqué. Le vœu de quelqu'un? Mais le vœu de qui? Écoutons ce vœu. Je vais intituler l'histoire Le vœu d'une défunte. Alors, ma maman a perdu son grand-oncle il y a de cela 4 mois. Comme il est de coutume ici au Cameroun, si la personne a vécu en ville, vous allez faire la grande veillée en ville et puis aller enterrer au village. Donc, on a fait la grande veillée en ville, tout le monde était là, les amis, les cousins, tout le monde était là. Et c'est pas tout le monde qui allait effectuer le voyage. C'est pas tout le monde qui allait effectuer le voyage. Nous étions une minorité à effectuer le voyage. Mais j'y étais et beaucoup de mes tantes étaient. Voilà, on a pris la route aux environs de 12 heures. Nous sommes des Bassa. Voilà. Nos villages sont vraiment loin. Nous sommes des Bassa, des après Boumibé là-bas, pour ceux qui connaissent. C'est au Cameroun. Alors, la route étant très 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 mauvaise, nous avons accusé un très très grand retard.
Nous sommes arrivés au pied d'une colline, aux environs de 22 heures. Déjà, les phares de la voiture qu'on avait louée n'étaient pas du tout de bonne qualité. On le voyait à peine à 10 mètres devant nous. Donc, on roulait vraiment doucement. Là, on est arrivé au pied d'une colline. Maman nous a proposé de descendre du véhicule, de longer la colline à pied et de laisser le chauffeur monter tout seul. Alors on a commencé à se plaindre que, ouais, maman, toi, tu vois le voyage, il est compliqué, il est difficile. Maman, on n'a pas encore mangé, il est 22 heures, tout ça. Elle dit, je demande de descendre, le véhicule va monter seul. On exécute parce que maman, c'était la plus aînée de tous ceux qui étaient dans le car. Nous sommes descendus. On a commencé à longer la colline avec beaucoup de peine. On avait faim, on avait soif. Vraiment, on était fatigué. On était fatigué. Et au milieu de la colline, on décide de faire une petite pause. On s'assoit tous au sol. Et là, maman dit, à chaque fois qu'elle est sur cette colline, elle se rappelle du décès d'une de ses amies. Ah, maman, nous, on est sur une colline. Et toi, tu viens te rappeler du décès de quelqu'un là sur la colline. Elle dit, oui, elle se rappelle parce que c'est même sur cette colline-ci que la personne était décédée. Oh, là, là. Deux de mes tantes se sont levées. Je dis, elles ont longé la colline en courant. Moi, je ne pouvais pas laisser ma mère. Je reste là, mais j'ai peur. Je dis, maman, toi, tu peux venir nous raconter une histoire comme ça en plein 22 heures dans une forêt. Toi, tu nous racontes une histoire comme ça là. Elle dit, non, vraiment, l'histoire lui tient trop à cœur. Bon, parfois, elle oublie, mais quand elle arrive toujours ici, parce que maman, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Vous connaissez nos mamans Bassa. Les deux, elles sont toujours en train de voyager. Les deux sont en train de voyager. Donc, elle dit qu'à chaque fois qu'elle arrive sur cette colline, elle se rappelle toujours de sa copine. Et là, elle commence à raconter l'histoire. C'est même là que la vraie histoire commence. Elle dit que sa copine vivait à Douala avec ses frères et soeurs, sa maman et son père. Bref, toutes les familles étaient à Douala. Et la petite soeur de la maman de sa copine vivait au village. Elle n'avait pas eu d'enfant, elle n'avait pas eu la chance d'avoir un mari. Du coup, elle vivait, elle, au village, il y avait des travaux champêtres, tout ça là, tout ce travail, c'était pour elle seule. Alors, sa grande sœur lui demande de monter en ville pour venir rester, que vraiment les enfants sont déjà grands, ils ont quitté la maison. Donc, viens rester avec moi en ville. C'est comme ça qu'elle vient rester en ville. Et sa grande sœur avait un militaire parmi ses enfants. Parce que l'histoire même est centrée sur le militaire. Alors, le temps passe, elle prend de l'âge, elle vieillit, les deux vieillissent bien sûr. Et la petite soeur tombe malade. On l'amène à l'hôpital, on se balade avec elle partout, ça ne va pas. Elle sent que ses jours sont proches. Elle dit à sa grande soeur, parce que chez nous les Bassa, quand quelqu'un décède, quand on l'enterre, ses enfants restent. Bon, pas tout le monde, mais deux ou trois peuvent décider de rester pendant un mois pour surveiller la tombe jusqu'à ce jusqu'à ce qu'on mette le béton tout autour. On coule le béton. Parce que quand on ne coule pas le béton, il y a les exhumeurs du corps. Quand c'est encore la terre là, ils peuvent encore exhumer le corps. Et quand ils exhument le corps comme ça, ils peuvent faire du mal jusqu'à la cinquième génération. Il suffit juste qu'un d'entre vous traverse l'os de ton ancêtre, et là c'est des maladies graves. Même si on t'est guéri, ça va te laisser des séquelles horribles. Donc la maman, sachant qu'elle n'a pas accouché, elle savait que personne n'allait garder sa tombe, mais elle a dit, si je décède, ne me brûlez pas, laissez mon corps là-bas. La grande soeur a compris. Bon, le temps est passé, puis finalement la petite soeur est décédée. Tout le monde, voilà, tout le monde, on a fait la veillée, on a cotisé pour le faire, hein, pour que sa veillée se passe bien, comme quelqu'un qui a vécu, quoi. Et son neveu était à mission. Il est revenu sur Douala pour le deuil de sa tante. Voilà, ils ont fait la grande veillée en ville, voilà, direction le village. Le jour de l'enterrement, on fait les témoignages, on fait les témoignages à gauche, on fait les témoignages à droite, on fait les témoignages, on fait les témoignages à droite. Et là, le militaire dit que lui, il ne peut pas prendre le risque de laisser sa tante sans protection. Parce que personne ne va garder sa tombe. Et si on parvient à l'exhumer,
Eux, ils sont en danger. Ils ne peuvent pas prendre sur ça. Donc, lui, il se porte garant de brûler le corps de Satan. Ah, il veut dire ce qu'il est. Elle a dit qu'on ne va pas brûler son corps. Il dit, moi, j'ai dit que je vais brûler son corps. Ah, il a même sorti son âme. Son arme, autant pour moi, son arme. Parce que les gens voulaient s'interposer que non, tu ne peux pas brûler le corps de quelqu'un qui a dit qu'il ne brûle pas son corps. Il a dit, si quelqu'un tente de brancher là, moi, je la bats. Donc les villageois, vous connaissez, non? Les villageois ont dit, hé, papa, fais comme tu peux. Le gars, il avait déjà été puni avec l'acide, tout ça là. Quand on a fait descendre le cercueil, on a ouvert, il a mis, versé l'acide, il a versé l'acide, il a versé, versé, versé. Après, il a pris le carburant, il a lancé les allumettes. Là-bas, il ne faisait que verser. Il a calciné la tente. Il a calciné. Et lui, il a décidé qu'on mette du béton le même jour. On a rempli avec la terre, on a coulé. Le même jour, il a dit, comme c'est comme ça, là, il va se sentir en sécurité. Qui pourra venir ici au village avec ses enfants sans avoir peur? Ok, et c'est comme ça que lui a dit que bon, comme on a fini là, moi je rentre. Bon, les autres ont dit, non, on part le même jour, il y a la fatigue. Lui dit, moi je rentre, celui qui veut rentrer avec moi rentre. Parce que lui, il avait loué une voiture, il avait loué une voiture pour venir avec ses gens. Donc il a dit, celui qui veut rentrer, rentre. Celui qui veut rester, ah, ça c'est frère, mais voilà la voiture qui part, celui qui veut entrer, rentre. C'est comme ça que une de ses soeurs, sa soeur qui était l'amie de ma mère, dit que ah, vraiment, moi, elle n'aime pas le village, je vais pour TV partir mon frère une fois. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la voiture. C'était toujours un cas. Bébé était assis à la cabine avant. Sur cette colline-là, ma mère dit que le frein avait lâché. Parce que quand tu viens du village, donc quand tu viens du doigt là, il faut grimper la colline. Mais quand tu viens du village, il faut descendre la colline. Donc en descendant, ils ont le frein à lâcher. Et, bam, la voiture est allée percuter un arbre. Et sur tous les passagers, il n'y a que les deux là qui étaient décédés. Le frère, même le chauffeur qui était près de... n'a rien eu, hein? Il n'a rien eu. Il n'y a que le militaire et sa soeur qui étaient décédés. Donc le militaire, ma maman me dit que le militaire était, avait complètement enfoncé sa tête sur la pare-brise, il a cassé et la pare-brise avait complètement déchiqueté le visage. C'était complètement, il était méconnaissable. Sa sœur, presque pareil. Donc il n'y a que les deux là qui étaient décédés. Donc la moralité de l'histoire ici, c'est que il faut savoir respecter les exigences des gens lorsqu'ils sont encore en vie. Excusez-moi. Alors je disais qu'il faut savoir respecter les exigences des gens lorsqu'ils sont encore en vie. Si quelqu'un te dit que je ne veux pas ceci de son vivant, quand il meurt, ne le fais pas. Parce que quand il meurt, il est doublement plus fort. Parce que là, maintenant, il agit en esprit. Et voilà. Il n'a même pas fait 24 heures. Il a suivi sa tante. Ok. Donc, merci beaucoup. Nous écoutons encore un autre témoignage, le micro était coupé. Un témoignage assez particulier. Qu'est-ce qui se tient à l'intérieur, les amis? J'aimerais vraiment bien découvrir ça. L'histoire d'un pasteur. C'est un jeune pasteur qui a grandi dans une église, donc dans la foi, quoi. Il a un père spirituel parce qu'il a commencé par prier dans une église. Et dans cette église, il a grandi dans la foi jusqu'à ce qu'il soit devenu pasteur. Et qu'il ait décidé de voler de ses propres ailes et d'ouvrir son église. Donc il ouvre son église maintenant, mais il n'est pas encore marié. Il n'est pas marié. Et vraiment, vous savez que dans les églises, étant pasteur, non marié, vraiment, ça ne fait pas bonne figure. Donc, il décide de se marier et il a la quête de la perle rare. Donc, il est là et tout dans son église. Tout va bon train. Et là, il y a une jeune fille qui vient dans l'église, mais vraiment une beauté. Parce que moi, j'ai connu la fille en question, la jeune dame, vu que c'était la femme de mon cousin. Donc, j'ai connu la jeune dame. Vraiment, mais une beauté de teint clair, métisse, belle. Elle venait dans l'église toujours classe et tout. Elle ne s'habillait qu'en tailleur, à longues manches, pantalon et tout, bien là. Et c'est une femme indépendante qui travaillait et tout. Mais la jeune dame, elle venait
de l'église où mon cousin aussi venait, l'église dans laquelle il a grandi dans la foi là. Elle venait de cette église également, mais elle aimait beaucoup les prédications de mon cousin, ce qui fait qu'elle a quitté la grande église pour venir dans l'église de mon cousin. Mais lorsqu'elle arrivait, mon cousin en question, excusez-moi, j'ai failli dire son prénom, mon cousin en question s'intéresse maintenant à la belle dame, il jette son dévolu sur elle, et là il commence à faire connaissance. Elle vient à l'église, elle est là, elle donne sa dîme, vraiment une femme pieuse. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai précisé qu'elle s'habillait toujours en tailleur à longues manches, pantalon et tout. Donc, un an après, le pasteur, vraiment convaincu que c'est la femme idéale, c'est la perle rare, il décide de se lancer, de faire le grand saut et de l'épouser. Donc, il annonce à toute l'église que c'est sa fiancée, il va l'épouser, tout et tout. Ça n'a pas fait un mois après l'annonce, ils se sont mariés. Et là, le temps passe quelques mois plus tard. Nous, on est là, on se dit, bon, ça va, tout va bien dans le foyer, tout. Mais ce qu'on essaie, parce que le foyer n'est pas épanoui. Rien ne va dans le foyer. Et la jeune dame va se confier au père spirituel du jeune pasteur. Donc, elle retourne dans l'église où elle était et où le pasteur aussi a grandi dans la foi. Elle retourne dans cette église, aller se confier au père spirituel du jeune pasteur, en disant au père que, ah, ça ne va pas, mon père dans mon église, ça ne va pas, papa, ça ne va pas. Ton fils ne me touche pas. Et les quelques fois où il me touche, je constate que parfois il sirote un verre de vin. Les quelques rares fois où il me touche. Quand je vais à la douche, mon mari ne me regarde pas. Quand j'ai beau me faire coquette, tout quand nous sommes en intimité, il ne me regarde pas. C'est-à-dire, quand je suis habillée, on est bien, tout va bien. Mais dès que je me déshabille, mon mari, vraiment, ça ne va pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Le pasteur dit, bon, je vais essayer de le convoquer pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et là, il convoque son fils plus tard. Et quand il convoque son fils, le fils lui dit que, ah, papa, je vais passer. Mais je souhaiterais te voir seul pour ce problème parce que je ne veux pas que ma femme soit là. Je ne veux pas la frustrer. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème, viens. Et là, il va voir son père, il lui explique que, vraiment, lui, il est dans l'église depuis. Il est né dans l'église, il a grandi dans l'église, donc il n'a pas fait la vie, il n'a pas fait le monde. Le problème est que il ne connaissait pas réellement sa femme avant d'aller au mariage. Il ne la connaissait pas. Lorsqu'ils sont allés en nuit de noces, il a été dégoûté. Dégoûté. Et jusqu'aujourd'hui, quand il est dégoûté, il ne fait pas exprès. Mais c'est parce que lorsqu'il au lit avec sa femme, quand elle se déshabille, elle a de gros tatouages partout sur le corps. Elle a un tatouage au dos, une panthère. Une grosse Wow. panthère au dos. Elle a des tatouages sur tout le corps. Et quand ils font l'amour, la go est agressive, elle manifeste ça. Parfois, elle fait des gestes, de façon à le griffe. Elle est un peu maso, quoi. Vous voyez, masochiste, le genre qui aime qu'on les griffe. Wow. Je sais pas comment vous expliquer, vous connaissez un peu ce que c'est qu'une panthère. Elle manifeste ces trucs-là. Et lui, il est dégoûté non seulement de voir une femme avec autant de tatouages, et ça fait qu'il n'a pas envie de la toucher. Et pire encore, ces tatouages qu'elle a fait sur son corps-là ont pris possession d'elle, donc elle manifeste cet animal-là. Donc vous voyez à quel point les petits trucs, les trucs qu'on néglige peuvent être fatidiques. Et là, le pasteur lui dit que mais non, il faut apprendre à et à je sais pas à quel est le terme, le bon terme employé. Il faut apprendre à outrepasser certaines choses. C'est-à-dire que tu es un homme de foi. Tu dois prier pour que ces choses-là ne puissent pas être un obstacle à ton épanouissement. Si tu as décidé d'épouser cette femme, c'est parce que tu as trouvé quelque chose en elle. Mais je vous assure que c'était pas facile jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Et là encore, ça, ce n'est que le parti de l'homme.
Et lorsque le pasteur lui fait le compte-rendu à la femme pour lui dire que voici ce qui pose problème de ton frère, la femme lui dit également qu'elle, elle a connu la vie, elle a fait le monde. Et qu'elle aussi, elle a un problème avec son gars parce que son gars ne met pas de temps. Il vient vite. Donc, s'il faut vous expliquer, je vais vous dire qu'il a une éjaculation précoce parce qu'il n'avait jamais connu de femme. Vous voyez, lui, il n'est pas dans ces choses-là où il faut monter sur une femme 10 heures, 15 heures, je ne sais pas comment dire. Donc, lui, quand il monte sur sa femme, c'est juste pour se faire plaisir, une, deux, c'est venu. Or, elle a connu des hommes, elle a déjà été, elle est expérimentée sexuellement. Donc, elle sait ce que c'est l'endurance et tout. Donc, elle n'est pas satisfaite. Donc, vous voyez que des deux parties, il y a un problème, ce qui fait que le foyer n'est pas épanoui parce qu'ils ne se sont pas connus avant. L'autre, il est dégoûté parce que la femme manifeste certaines choses. Elle est peut-être possédée par un esprit de ces choses qu'elle a mises sur son corps. Et elle aussi, elle n'a pas connu son homme avant le mariage, donc elle ne savait pas que ça pouvait poser problème. Mais elle s'est dit, bon, peut-être ce sont les débuts et après ça va évoluer. Peut-être après, avec le temps, l'homme va commencer à être endurant et tout et tout. Mais lui, il n'a pas compris le cas de la femme, qu'elle était dans le monde et que voilà, elle a des choses qu'elle a fait sur son corps qui se manifestent et tout. Donc vraiment, c'était ma petite histoire parce qu'après, ils ont dû se séparer. Il y a de cela 2 ans aujourd'hui. C'est vraiment triste d'en arriver là pour des petites choses, pour des futilités, pour des banalités. Vraiment, faisons attention à tout ce que nous faisons là. C'est vrai, nous sommes dans la fougue de la jeunesse. Mais attention, parce que la jeunesse nous détermine pas ce que nous allons être demain, ce que nous allons vivre demain. Qui aurait dit à cette dame qu'elle serait femme de pasteur? Qui aurait dit aussi à ce pasteur qu'il aurait rencontré pour première femme dans sa vie, une femme qui a déjà connu multiples hommes? Donc je vais partir de là, c'était là mon histoire. Quoi? Wow, Dieu, ne me permet pas ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, donc la fille là, elle a un gros portail sur son dos, quoi. Comme tatouage, quoi. Hein? Et le gars, lui n'a jamais touché à une go du tout. Du coup, il ne sait pas comment faire pour faire. Hein? Et les deux vont se mettre ensemble. Vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez ça? Quelle solution on pourrait vous donner aux deux, les amis? C'est vraiment compliqué, cette affaire. C'est vraiment, vraiment très, très compliqué. Je ne saurais résoudre ce problème. J'ai besoin que vous m'aidiez, les amis, parce que c'est assez grave. C'est vraiment assez grave. Waouh! Nous allons écouter encore une autre histoire. C'est parti. Donc, quand nous sommes arrivés à Dakar, la première année, la deuxième année, il faut quand même chercher le petit truc à faire. Donc, c'est dans ça aussi que mon petit ami, il se lance dans les encadrements. C'est-à-dire qu'il encadrait les enfants de terminale, de toutes les classes, quoi. Il faisait ça. Et après, un jour, il y a une dame qui vient le solliciter, qui lui dit, bon, j'aimerais que tu puisses m'encadrer parce que je n'ai pas été sur le banc de l'école, j'aimerais que tu puisses m'apprendre à lire, à écrire et tout. Et ça sera à domicile. Bien sûr, les cours à domicile, tu payes plus cher. C'est ça, quoi. Et lui aussi, il a accepté. Il a dit, ah, c'est l'argent. On va en profiter. Il est parti. Il commençait à dispenser les cours à cette dame-là les week-ends. C'est dans ça, il partait, il revenait. Et un jour, c'était un dimanche, donc un dimanche, et il faudrait savoir aussi qu'ici à Dakar, il y a des combats de lutte. Des combats de lutte, c'est-à-dire que leurs lutteurs là qui se battent les dimanches, et qui sont des lutteurs qui utilisent des fétiches, quoi. Ce sont des combats surtout, moi j'ai dit que ce sont des combats surtout des fétiches. Or que ne sachant pas que le mari de cette dame-là, qu'on va appeler Ina,
était lutteur. Il était lutteur, il se battait. Et mon petit ami qui partait là-bas les 15h, le cours faisait qu'une heure 30, 15h, dès 17h, il rentre déjà. Donc il était déjà 15h, moi je lui ai dit, non, il était déjà 14h. Je lui ai dit, ah, faut rester pour toi. Encore aujourd'hui, là, il y a eu les combats. Certainement, le pays, là, quand ils se battent, là, les gens sont un peu. Les gens sont un peu, comment dirais-je, ils essaient un peu d'agresser, il y a maintenant un peu beaucoup d'agression, quoi. Moi, je lui ai dit, ah, faut tout arrêter, faut pas partir là-bas. Je lui ai dit, ah, non. Il lui dit, non, ce sont des engagements que j'ai eu à prendre, donc je dois partir, la dame est prête pour aller bien. Je dois partir de toutes les façons, c'est seulement 1h30 et puis je rentre. Et puis, c'est pas comme si je veux faire un grand, grand, grand travail. C'est juste, je vais, je l'apprends à lire les choses de ces peu-là, et après, c'est fini. Il dit, ok, faut partir. Il est parti. Quand il est parti là-bas, quand il arrive à l'immeuble, vu que la dame était au troisième étage, elle était au troisième étage, donc il arrive à l'immeuble, il croise d'abord un homme en bas qui était bizarre, très très bizarre, très sale, les yeux rouges. Il se dit, bon, parfois il a appris ses trucs, il a ignoré. Il monte. Quand il arrive au deuxième niveau, il croise encore un homme plus sale, je te dis, MDMG. Comme il expliquait là, un homme très très sale, qui avait les yeux rouges et qui sentait la cigarette. Et après, quand il a vu cet homme-là, tu sais que c'est un homme qui n'est pas vraiment normal, quoi. Il avait maintenant la chair de poule. Et si leurs yeux se sont croisés avec l'homme-là. Leurs yeux se sont croisés. Donc, du genre, vous vous rencontrez dans les escaliers. Vous vous rencontrez dans les escaliers. Et les yeux sont en train de... Quand vous êtes entre l'autre, en train de monter. Lui, il montait pour aller au troisième. Lui et l'homme-là, il descendait. Donc, quand ils se sont croisés, le regard se sont croisés, l'homme le regardait un peu bizarrement, quoi. Bon, puis il dit, bon, c'est pas, je vais pas faire de ça un problème. C'est un immeuble, il y a beaucoup de gens qui vivent. Il a banalisé. Il est parti. Et quand il arrive, parce que quand il arrivait, il partait souvent saluer la maman de cette dame-là, Ina. Il saluait, vu que c'était une percée, c'est un appartement familial. Donc il saluait la maman, il saluait un peu tout le monde qui était là-bas. Et ce jour-là, sa grande surprise, la maison de la maman de Ina était fermée. La maison de la maman de Ina était fermée. Et il n'y avait que la maison de Ina qui était ouverte. Qui était ouverte, oui. Mais il n'y avait que la maison de Ina qui était ouverte. Donc quand il arrive, il regarde de gauche à droite, c'était fermé. Il n'y avait que la maison de Ina. Après, il dit, bon, de toutes les façons, je viens ici pour lui. Je viens ici pour elle, le temps pour moi. Quand il a regardé de gauche à droite, il n'y avait personne, il est allé toquer. Il est allé toquer à la porte de Ina. Personne n'a répondu. La maison était ouverte. Bon, il s'est dit, je vais patienter quand même un peu, parfois. Elle est descendue chez le boutiquier, acheter peut-être un petit truc à manger, je sais pas. Mais je vais attendre un peu. Il est resté un peu, il avait une chaise, il s'est assis. Et quand il s'est assis, après, il a encore senti qu'il avait le bruit dans cette chambre-là. Il a retoqué pour la deuxième fois. Il s'est dit, peut-être parfois, elle dormait. Ça peut arriver, la personne dort, tu n'entends rien dehors. Et quand il arrive maintenant, il toque. Toc, une personne répond, dit oui, entrez, tu vois, entrez. Et il soulève le rideau, genre pour rentrer, quoi. Et quand il soulève le rideau pour rentrer, il croise maintenant, dans cette maison-là, il y avait un homme qui était assis sur le chevet du lit. Et par terre, il y avait un autre homme qu'on a allongé. Un allongé, c'était un homme qui était vraiment inconscient. Et cet homme, on l'avait entouré des bougies rouges. Sous sa tête, il y avait une grande calebasse. Dans la calebasse, il y avait un peu de tout. Il y avait des trucs rouges. Il y avait des plumes dedans. Tu vois que ça, là, vraiment, là, quand tu regardes ça, tu dis que ça, là, ce sont des fétiches. Et il était surpris.
On était surpris de voir ça. Et l'homme qui était là lui dit, avance. Avance, comme ça dire, entre, n'aie pas peur, entre. Et lui, lorsqu'il était dit, oh, mais ici là, je ne peux pas entrer parce que le terrain là que je vois comme si n'est pas bon. Je ne dois pas entrer dedans. Mais il me disait, il y a une force qui me faisait entrer malgré moi, qui m'entraînait là-bas, hein, me faisait entrer malgré moi. Donc tu sens que tu es en train d'empêcher ton corps d'avancer, quoi. Mais malgré ça, il y a quand même une force qui t'attire. Et cette force-là m'a attiré, lui a attiré autant pour moi, lui a attiré carrément lorsqu'il y avait la calebasse. Et subitement, il s'est arrêté. Parce que quand la force lui a attiré, lui a emmené en quelque sorte, lui, au fond de lui aussi, il commençait à prier. Comme ça, dire, Seigneur, sur quoi je suis venu tomber aujourd'hui là? Il commença à prier. Et quand il veut sortir le nom de Jésus de sa bouche, il n'a plus la voix. Il ne pouvait plus sortir le nom de Jésus. Et il commença à prier. Et petit à petit, la prière qui était au fond du cœur, la prière commença à sortir maintenant de sa bouche. La force commence à l'attirer. La force l'attirait toujours vers la calebasse. Et dès que sa prière est sortie de sa bouche, et l'homme qui était assis au chevet du lit, voulait faire encore ses manœuvres, ses petits cric-là comme ça. Il va bien bien avancer, il va bien bien entrer dans le piège là. Lui s'est arrêté. Et là où ce qu'il était, dès qu'il a senti que la voix est revenue, il a crié au nom de Jésus. Dès qu'il a crié ce mot au nom de Jésus, DMG. Le gars là où ce qu'il était, il a sursauté. Le gars qui était assis, le féticheur qui était assis au chevet du lit, il a sursauté. Dès qu'il a sursauté, donc c'est comme une personne qui ne s'attendait pas à voir ça, quoi. Il a sursauté, dès qu'il a sursauté, c'est moi comme ça là. Il a commencé à dire, sors, 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 je ne savais pas que tu t'es venu avec tout ce monde là. Je ne savais pas, moi je pensais que tu étais seul. Or que tu viens chez les gens avec tout ce monde là. Il lui dit, mais toi, ça c'est mon petit ami qui lui dit, mais toi tu pensais quoi? Tu ne peux pas avoir l'enfant de Dieu juste comme ça. Moi ici je viens pour dispenser mes cours, mais toi tu veux m'attirer dans ton piège. Mon Dieu aussi ne m'a pas laissé comme ça dire, sors, 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 sors. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, sortez. Donc il commençait à chasser les gens, quoi. Il commençait à dire, sortez s'il vous plaît, sortez, sortez. Et les gens qu'il avait croisés là, celui qu'il avait croisé en bas là, celui que mon petit ami avait croisé en bas là, et celui qu'il avait croisé dans les escaliers, or que c'était les apprentis féticheurs. Les apprentis féticheurs sont venus. Dès qu'ils ont écouté le cri de leur maître féticheur, ils sont venus, ils commençaient à dire à mon petit ami, s'il te plaît, vraiment, excuse-le, vraiment, pardonne-le, tu peux pour toi partir, vous pouvez pour vous partir, vraiment, pardonnez-le, vraiment, pardon, tu peux pour toi partir, tu peux dire à des gens de partir. Ah, lui aussi, il a dit, quel genre encore, il voulait partir. Le lendemain, c'est Ina qui l'appelle pour dire, ah, excuse-moi si je ne t'avais pas prévenu pour ce dimanche-là, mais on avait laissé l'appartement à mon mari que tu avais vu coucher. Parce que il fait les combats, c'est un lutteur, donc ça s'était mal passé lors de son combat. Et il fallait que le marabout puisse ramener son âme, quoi, en quelque sorte, des trucs comme ça qu'elle expliquait. Mais elle commence à dire, oh, mais mon marabout m'a dit que tu étais venu avec des gens. Lui dit, oh, j'étais venu avec des gens comme moi. Non, non, il m'a dit que le petit qui vient de dispenser le cours là, il n'est pas bien, il vient ici, il amène beaucoup de gens, une multitude de personnes, il ne faut plus le fréquenter. C'est ce qu'il m'a dit, que je ne dois plus te fréquenter. Il m'a dit, ah, ça c'est toi qui vois, mais moi je ne suis pas venu. Ça c'est mon petit ami qui dit, c'est toi qui vois, mais moi je ne suis pas venu avec des gens. Il a coupé. Le lendemain, c'est sa maman. La maman de Ina qui l'appelle, qui dit que oh non, toi quand tu viens ici là, alors que tu ne viens pas seul, tu viens avec des gens. Mon marabout m'a dit ça, vu que c'était le marabout de la famille. Mon marabout m'a dit ça, que toi tu viens avec des gens ici. Elle dit, moi je n'étais venue avec personne. Oh non, il m'a dit que tu es vraiment fort. Vraiment, tu dois m'emmener chez ton marabout. Il dit, moi, mon mari, ça c'est mon petit ami qui répond, moi, mon marabout, ce n'est que Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui mon marabout. Si tu as envie de connaître mon secret, je t'invite le dimanche, on va aller à l'église. Dès que la dame avait écouté, on va aller à l'église, là, elle a dit, oh, tu es chrétien, vu que la femme de Inaï était des musulmans. Elle dit, oh, tu es chrétien, ah, ok, d'accord. Elle avait coupé. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais rappelé. Et mon petit ami ne partait plus dispenser les cours là-bas. Donc, c'est pour autant dire que, vraiment, quand on sort, vraiment, on doit remettre notre journée entre les mains de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui va se passer durant tout au long de la journée. Et quand on remet la journée entre ses mains, il est celui qui nous protège de toute attaque de l'ennemi. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis, il est celui vraiment qui nous protège de toutes les attaques de l'ennemi. En effet, bon les amis, c'est pas un jeu, il faut prier que Dieu nous protège. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous maintenant demain pour la suite des choses qui vont venir. Ne pas manquer la prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche. Pour nous soutenir, laissez un j'aime. Et si vous voulez aller loin, vous pouvez faire le don. Juste à cliquer sur le bon aller sur la page d'accueil. Vous allez voir un lien PayPal en haut. Vous pouvez faire le don par là ou bien par YouTube Super Things sous cette vidéo. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.